Cursus Solano François. Quelles sont vos origines? Comment avez-vous vécu l'insurrection en Espagne? Et quel est le chemin que vous avez parcouru pour arriver jusqu'ici et faire une si longue carrière? Parce que, vous savez, j'étais d'une famille, d'une modeste famille. Donc vous étiez où? En Aragon. C'est-à-dire, c'est Léo Aragon, c'est la fin des Pyrénées. Mon pays est entouré des 100 montagnes. Et, ça a commencé, c'est que un jour, le 18 juillet, c'est le 18 juillet, je crois, bon, quand les Franco a déclenché ce mouvement contre la République. Alors, mes parents, moi j'étais à Barcelone, j'étais étudiante, c'était les vacances. Et mes parents étaient partis à la ferme, le soir, à Rimes, sur la place, en groupe des résistants, en annonçant que Franco avait déclenché un mouvement contre la République. Et, bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait à pied? À 11h du soir, j'ai fait 6 km pour aller dire aux parents, voilà, on est en guerre. Et puis alors, mon père s'est engagé parce qu'il y a eu un appel en disant, on va garder les montagnes, on va essayer de former des groupes de défense de manière à qu'on ne prenne pas notre village. Et alors, le lendemain, ma mère s'en faisait parce qu'il était parti. Et cette pauvre femme, elle était malheureuse, elle dit qu'il est. J'ai dit, attends, je veux le trouver, moi. J'ai fait les 100 montagnes, des montagnes et des sommets. Il y avait justement un gars, il dit, tiens, tu vas. Puisque tu vas à la montagne à côté, tu vas donner ce message à un tel. Tu ne le donnes qu'à lui, hein, sinon tu le gardes. Alors, je suis devenu, si vous voulez, agent de liaison de cette montagne. Eh bien, j'ai fait les agents de liaison en cachette. Pendant qu'ils sont résistés, après ils sont partis. Et c'est ainsi que je commence, en somme, voyez-vous, la résistance en Espagne, à 14 ans et demi. Mon père dit, je suis obligé de m'en aller. J'ai dit, si tu t'en vas, je vais avec toi. Parce que j'avais été appelé, moi, par Franco, pour aller au service militaire. Hein. Et je ne me suis pas présenté. J'étais déclaré déserteur. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Non, 17 ans quand je suis parti du pays. Oui. 17 ans, non, 17 ans c'est quand j'étais en France, parce que je suis retourné à Barcelone. Mmh. Continuer ce que j'avais commencé, les Beaux-Arts, l'entrée. Je préparais un concours pour entrer aux Beaux-Arts. Mais bon, souvent je dis, ben écoutez, quand on me demande qu'est-ce que vous avez fait, ben j'ai dit, je préparais les Beaux-Arts au lieu de faire les Beaux-Arts. J'ai fait la guerre. On part avec d'autres personnes, évidemment, sans trop s'en vanter à ma mère, en disant on va plus loin, on va verra, on reviendra, mais on n'a jamais revenu, on est parti. Et on a dit, faut pas qu'on retourne quand ça, parce que le front avait cassé à Huesca, on va essayer d'aller jusqu'en dehors. Mais le front s'est arrêté à Lérida. Pendant 2 ans, le front est venu à Lérida, au Segre. Oui, c'était en 37. Alors moi, j'ai retourné
comme Beaux-Arts. Alors, on s'installe à Barcelone. Mon père rentre au ministère de la guerre, ben, deux ans après, on a été deux ans sans problème. Mm-hmm. Le gouvernement de Madrid était venu s'installer à Barcelone. Un jour, on leur dit au ministère, ils étaient en train de tout déménager pour amener du matériel dans des cavernes. Mon oncle était responsable militaire au port de Barcelone. Eh bien, on a dit, on va être obligé de s'en aller parce que l'armée républicaine ne pourra pas résister sans cela. Et comme il n'y en aura pas, alors il vient me dire, on s'en va, on va en France. Si tu veux rester, reste. Ah, j'ai dit non. Je ne reste pas. Parce que j'ai pensé que j'étais déclaré comme un déserteur. Ouais. Et ça, j'ai dit, déserteur, je ne ferai pas les beaux-arts. Certainement pas. Je suis parti avec eux. Et vous étiez dans une formation politique particulière ou avec... Non, j'ai fait partie à l'époque parce que bon, il fallait. Les jeunesses républicaines, c'est-à-dire socialistes. Mm-hmm. C'était les jeunesses socialistes, j'appartenais à un groupement parce qu'on avait même manifesté une fois. Parce que justement, il y avait un bateau russe qui avait amené du matériel au port de Barcelone. Et ces bateaux, pendant quelques jours, est resté là sans décharger. Et quand ils sont demandés, il faut des sous ou de l'or, ils l'ont déchargé que quand l'or est arrivé. Ça, les étudiants n'avaient pas apprécié. Et on avait été manifesté au port de Barcelone, on avait la première manifestation syndicaliste. On part avec le camion. Alors on a déchargé le camion avec le matériel et on est revenu sur Figueras pour prendre la route de la Jonquera. Ouais. Mais il y avait une queue de véhicules, de chariots, de camions, de voitures de toute espèce. De la Jonquera à Figueras. Et puis, on gagne la route de bord de la mer. On est entré en France par Cerbère, Port-Beau Cerbère. Qu'on a reçu, oh là là, il y a un train qui est arrivé en plein bombardement, il y avait plein de troupes, plein de civils. Un train qui est arrivé dans le tunnel, et avec l'aviation qui bombardait, mitraillait sans arrêt. Les gens se réfugiaient dans le tunnel. Je ne sais pas, ça a été un massacre, c'était terrible. Vous savez, quand on voit ça, c'est à tel point que, vous savez, que pendant la guerre, j'ai eu l'idée de prendre le pouvoir, aller dans une école d'aviation et faire un pilote pour aller me venger, pour aller venger ces pauvres gens que j'avais vus. Morts, même il y en avait de morts, il y en avait des blessés, il y en avait. Si on est là, c'est parce que on a eu de la chance. Quoi. Voilà comment on est entré en France. Et ça, c'était en février 39. Le 6 février 39. Ça fait que là, à la frontière, il faut y aller, c'est ça. Bon, tout ce qui était couteau, qui considérait ou arme, il y en avait quand même des armes. Vous savez, on s'était procuré des boîtes condensées, des boîtes à lait, et des boîtes à sardines. On a été malheureux parce qu'on disait, si jamais une brune, on était conduit à Argelès. Directement. 11 mois, sur ce au camp. Alors, pour se sentir protégé, je ne sais pas si je l'étais,
Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait un bureau de l'armée. Parce que ça, les bureaux, c'est tout ce qu'il y avait comme bâtiment. Hein. Ce bureau des militaires, j'étais pour voir si je pouvais entrer dans l'armée, si c'était possible. Quand ils ont vu mon âge, je leur ai dit non. L'année prochaine. 11 mois après, je vais présenter aussitôt. Vous êtes resté 11 mois à Argelès? 11 mois. Il y avait des professeurs, aussi bien français que surtout espagnols. Il y a des universitaires, des professeurs, des notoriétés extraordinaires. Tout le meilleur d'Espagne était là. Aussi bien intellectuel que main-d'œuvre, que ouvrier. C'est vrai. C'est pour ça que l'Espagne a souffert, le Franco. C'était la famine, même. Ah oui, il y a eu des famines. Mais tout le meilleur d'Espagne était là. Alors, ils formaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mobilisation générale. C'était une crise de main-d'œuvre. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fondé? Ils ont commencé à fonder des compagnies de travail. Compagnies de travail qui étaient attachées militairement, parce qu'elles étaient gardées par des élèves de l'école de la garde mobile. Ça, je me souviens très bien. Oui. Mais quand vous êtes arrivé au camp d'Argelès, il n'y avait rien au départ, il y avait que la plage. Rien. Si, un marquage, avec des cagnes, ou des cagnes, c'est un marquage, avec, il y avait toutes espèces d'herbes, des ronces, d'ailleurs, ça a rendu service, c'est le peu d'arbustes qu'il y avait, ça nous a servi pour faire, pour ne pas se coucher par terre, ils mettaient des couvertures dessus, puis voilà. Rien, aucun soin. Vous savez, on manquait même d'eau potable. Qu'est-ce qu'on faisait? On creusait avec les mains jusqu'à temps qu'on trouvait l'eau. L'eau de mer montait et on buvait ça. On a attrapé les fièvres, la dystérie, des maladies de toutes sortes. Je ne sais pas comment on a pu résister à ça. Il y en a eu des morts, puisqu'il y avait un cimetière, et on en enterrait tous les jours, hein, faut pas croire. On était combien? 100 000, 80, 100 000, on ne sait pas, sur quelques hectares. Comme ça, fallait être résistant, je vous assure. Vous avez formé des groupes, non, pour pouvoir... Oui. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a fait quand il y a eu les autorités aussi bien espagnoles que françaises ont dit il faut qu'on organise quelque chose, et puis il y a eu une organisation des fêtes. Alors, nous, on avait commencé déjà comme ça, dans les petites cabanes, comme ça, à apprendre. Parce que ce qu'il fallait, vous voyez, ce qu'on parle souvent ici, maintenant, il faut déjà apprendre la langue à une personne qui va dans un pays. Ça, c'est la meilleure des défenses. Quand on connaît une langue, ça va beaucoup mieux que quand on ne la connaît pas. Et on avait fondé ces groupements d'étudiants. On s'est retrouvés. Vous étiez entre étudiants. Voilà. On a fait une demande à toutes les organisations internationales. Demandant ce qu'on aurait besoin de tout ce qu'on avait besoin. Ils nous ont envoyé, les Quakers, les premiers, ça a été les Quakers, ils nous ont envoyés. On a pu travailler, c'est-à-dire qu'on a fondé des écoles. Moi vous savez, quand j'étais jeune, et puis j'étais un étudiant, comme beaucoup des gars de mon âge, et on assimilait vite. Ça fait que
qu'est-ce qu'on... Aussitôt, on passait à une autre école, vous voyez, qui était supérieure. Et puis, on enseignait à écrire, et qu'il y en avait, parce qu'il y en avait pas mal, qui ne savaient ni écrire, ni lire, ni écrire. Un garçon qui, un jour, je voyais avec un papier dans la main, et c'était une lettre qu'il avait reçue par la... par la Croix-Rouge, parce qu'on n'avait pas d'autres correspondances au début. Et j'ai dit, ben, les nouvelles sont bonnes, qu'est-ce qu'il dit comme ça? Il dit, ben, je ne sais pas. Mais de comment? Il dit, ben, il ne voulait pas le dire devant les autres. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris qu'il y en avait d'autres comme moi, hein, comme lui. J'ai dit, vous allez venir. Et vous allez au moins écrire votre nom, au mon nom. Au moins écrire mon nom. Il n'y avait pas que moi, il y en avait d'autres qui faisaient pareil. Hein, on s'entraidait. Mais vous voyez, l'étudiant, la tâche, il a eu une tâche formidable, extraordinaire. Tout d'un coup, vient ce camp. Ils allaient dissoudre, soi-disant, le camp. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tape, ces compagnies de travail, on tape sur les camps. Moi, j'étais trop jeune. On considérait que, vous voyez, je me suis présenté quand même. Et ils nous ont pris, dans la compagnie de travail. Et je suis tombé, parce qu'il fallait choisir. Il y avait plusieurs compagnies, et puis il y avait une compagnie à fortification, j'ai dit tiens, après tout. Et comme j'assimilais bien la langue, vous savez pas, ils m'ont pris comme interprète d'un groupe, au sort d'un officier, quand il parlait. Ben, tous les jours, donner l'heure du jour, et puis ce qu'on allait faire aussi, c'est là. Et puis nous donner des nouvelles, parce que lui pouvait lire toute la presse. Eh bien, c'était l'interprète d'un groupe. Et vous étiez où? Dans quelle... Alors, à Sedan, dans les Ardennes. Ah, oui. C'est-à-dire qu'on construisait la ligne Végan, c'est-à-dire la continuation de la ligne Maginot, la frontière de Belge. La guerre se déclenche, les Allemands, parce qu'ils avaient les plans, ils sont pas, c'est nous qui les avons accueillis, bah oui. Notre compagnie. Vous vous rappelez le d'ailleurs, on nous avait laissé tout l'état-major, notre compagnie, nos chefs sont foutus le camp. Et ils nous ont laissé, c'est le 21e régiment d'infanterie coloniale qui nous a pris à charge parce qu'on aurait crevé de faim. Vous vous rappelez du numéro de votre compagnie de travailleurs? Ah, où ça? La compagnie de travail. 112 compagnies de travail. Les 175 bataillons de génie. Alors ça, on s'en souvient, vous savez. Et alors, dans les Ardennes, prisonniers. Un jour, on allait faire un match, organiser un match de football, et bien qu'on match de football, on voit arriver une escadrille de 9 avions. Et comme on avait l'habitude, les Espagnols, on disait, oh là là, attention, quand on avait qui bifurqué sur nous, oh là là, ça on a dit, c'est pour nous. Maintenant, on va attendre, voir ce qu'il... Pendant 3 jours, même la nuit, pendant 3 jours, à tel point qu'on ne trouvait plus d'abri pour pouvoir se camoufler des bombes, eh bien, on prenait les trous que les bombes qui avaient explosé avant, on cherchait les trous. L'offensive, c'est vrai, comme ça. Les avions qui sont arrivés, puis après, ben, la troupe, les lendemains ou 2-3 jours après, La troupe est arrivée. Et surtout que là, il y avait un château où il y avait un état-major, il y avait tout un tas. On se fait prisonnier. Et puis,
Il y a un lieutenant de ceux qui nous gardaient. Il a dit au capitaine, parce que le capitaine a rassemblé tout le monde pour l'informer. Le capitaine, qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il dit, on va se faire faire prisonnier? Ben, il dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Eh bien, moi, non. Moi, ce soir, je pars et tout celui qui voulait me suivre. Et vous avez suivi? Voilà, c'est-à-dire que la moitié de la compagnie s'est partagée. Ouais. Il y a une autre compagnie qui est restée, ils ont été faits prisonniers. Et puis nous, on est partis avec ces lieutenants. On est partis. Mais alors, les Allemands avaient lâché les canons. Les canons, la Marne au Rhin, ils passent la Marne au Rhin par là. Ouais. Il y avait des canons navigables. Ils avaient ouvert tous ces canons de manière à inonder les plaines. Et on s'est trouvé dans une plaine. Il y avait de l'eau jusqu'au cou. Avec 30 kilos de poids qu'on avait dans le sac à dos, vous savez, il y aurait eu un trou, on aurait pu y rester. Hein. Donc, on a descendu jusqu'à Auxerre. Ah oui. Et une chance, à pied. Et cet officier de l'école, ben, c'est qui nous gardait au camp. Vous voyez, il n'avait pas... il n'aurait pas eu besoin de nous suivre. Vous voyez, il a été gentil comme tout. Il nous a conduits jusqu'à Auxerre. Ça fait qu'on a été récupérés par le 4e régiment d'infanterie d'Auxerre. Ah, vous avez comme militaire. Rejoint l'armée quand même. Oui, ouais. Il nous a reçu, oui, lui, évidemment, en tant qu'officier, ne pouvait pas faire autrement. Le capitaine qui était là, des gardes, Alain Cassin, il ne savait pas quoi faire de nous. Il a dit, tiens, je vais vous envoyer, il y a des usines de guerre dans les carrières des Cravants, où il y a des caves maintenant. Et on a été, pendant quelques jours, à travailler dans les caves qui ont fabriqué des obus pour l'artillerie. Alors, je ne sais pas si ça a servi à quelqu'un, mais ça a dû servir aux Allemands. Du 4e mairie, et le capitaine nous envoie une notice en disant que les Allemands arrivaient, toutes les forces françaises devaient gagner la Loire pour faire barrière à la Loire, à l'ennemi. Et on dit, nous, on avait direction la charité oui, sur Loire. Alors, donc, on arrive à la charité, mais il y avait déjà les Allemands, parce qu'ils roulaient en voiture. Alors, on fonce sur l'Allier. Mais à Cercy-la-Tour, c'est un issière de département avec l'Allier. Oui. Les Allemands avaient occupé déjà la ville. Ils nous prennent, ils nous renferment. On nous a mis contre le mur, on nous a fouillés pour voir si on n'avait pas des couteaux. Ils nous ont enlevé les cartes qu'on avait, les couteaux. Les lendemains, on nous met dans des baraquements qu'il y avait autour de la gare, il y avait des baraquements, ils nous ont mis là-dedans, et l'officier nous dit, écoutez les gars, demain, vous savez, on va sortir de là, mais on va nous conduire dans des camps. Alors, je tiens à vous prévenir, parce que moi, à la moindre occasion, si vous me voyez disparaître, vous saurez pourquoi. Je vais me sauver. Alors, ça nous a mis la puce à l'oreille. Qu'est-ce qu'on a fait? Il n'était pas loin, il y avait une personne ou deux devant. Et puis, je ne le quittais pas des yeux. Tout d'un coup, j'avais vu l'opération
des gars qui par exemple sortaient des rangs. Ils avaient besoin de faire un petit pipi, et puis ils allaient derrière une baraque qu'il y avait sur la gauche, ils faisaient pipi, et puis ils revenaient sur les rangs. Il a vu ça, moi aussi il l'avait vu. Alors, c'est comme si on s'est parlé, alors qu'on ne se voyait même pas, ça fait, on se tournait le dos. Je vois qu'il s'élève. Moi, pareil. Fais mine de rien, vous savez, comme celui qui avait allé faire pipi. Mais quand j'ai passé derrière là, il était plus là. Moi, j'ai couru tout de suite, j'ai dit, il est sûrement pas loin. Alors j'ai couru pour l'attraper. Mais j'ai pas pu l'attraper. On ne s'est jamais revu. Mais alors, en courant, après quelqu'un comprenant que c'était lui, c'était un garçon du pays, un garçon, un poillonnin. Et il m'a trouvé une ferme où on m'a accueilli. L'arrière-grand-père, je crois même, qui menait deux fermes, la sienne et puis celle de son fils. Son fils était mobilisé à l'occupation, il s'est sauvé. Et il est venu se cacher à la maison disant qu'on l'avait démobilisé. Mais un voisin l'a dénoncé. Alors, je lui explique au grand-père, j'ai dit, écoutez, ça m'ennuie, mais j'ai un problème. Voilà, mes papiers sont restés dans le sac à dos quand les Allemands nous ont arrêtés. Il me dit, ah, mais, écoute, il faut aller tout de suite à la mairie parce qu'on aura des ennuis tous les deux. Et puis, il me prête son vélo. Les gendarmes m'arrêtent au carrefour de Saint-Sauveur. Ils me disent, monsieur, vous n'avez pas papier. Oh, ben, non. Et le vélo, il n'est pas à vous. Et, non, j'ai de la Cherbourg dans la gendarmerie, il y a un kilomètre ou deux. On a discuté tout le long. Et on a sympathisé à tel point ils m'ont même donné leur nom chacun. Ah oui. Chanty et Renaud. N'ayant pas des papiers, on est dans l'obligation de vous amener devant le brigadier. Devant le brigadier, il me dit, pourquoi vous avez quitté l'Espagne? Ben, je dis, parce qu'on nous a foutu dehors. Il dit, non. Parce que vous étiez un rouge. Alors j'ai dit, écoutez, je ne sais pas si je suis rouge, mais c'est vous qui me le dites. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Pendant que j'ai descendu à la mairie, il a téléphoné au secrétariat en disant de ne pas me recevoir. Une chance que le maire de l'époque m'a fait des papiers. Sinon, cet homme-là m'envoyait à Mauthausen. Ce maire qui était qu'un remplaçant. Un remplaçant parce que le maire de Saint-Sauveur, à la débâcle, il était parti dans le midi. Et c'est comme un capitaine des gendarmeries, des réserves, que le préfet l'avait nommé comme maire de Saint-Sauveur en attendant que le maire revienne. Et j'ai eu de la chance que le maire de Saint-Sauveur n'en faisait pas pied, sans ça, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. On a eu des ennuis à la ferme, ils sont venus fouiller avec des baïonnettes qui piquaient dans le foin pour savoir s'il n'y avait pas quelqu'un qui se cachait. On a été obligé d'aller dans un pays à côté, où j'ai gagné l'armée secrète. Il y avait un secrétaire de mairie qui était enrôlé là-dedans, et dans cette unité que je vous montrais, le merchant El Tampon, il m'avait dit qu'il va y avoir une arme secrète, mais j'ai dit vous pouvez m'inscrire tout de suite. Si c'est pour m'abattre les Allemands, oui, allez. Mais ceux qui sont venus fouiller dans la ferme, c'est des gendarmes français? Non, alors là, c'est les Allemands qui sont venus. C'est une troupe allemande. Les gendarmes français n'ont pas intervenu là encore. C'est la dénonciation, c'était les Allemands qui l'avaient. Ah, je suis parti dans un pays à côté.
où mon père avait fondé, on s'était rassemblés, on avait fondé une équipe de bûcherons, et on faisait du bois et du charbon, voilà. Et comment vous avez, quand vous étiez dans cette région, comment vous avez travaillé avec le maquis? Comment vous avez rejoint le maquis? Ah ben, c'est-à-dire que, voilà, quand on a eu ces problèmes de Saint-Sauveur, on s'est caché à Mézilly. À Mézilly, c'est à 10 km de Saint-Sauveur. On a fait connaissance du secrétaire de mairie, qui, lui, avait eu des ennuis avec les Allemands. C'est-à-dire que c'était un ancien enseignant, et que les Allemands lui ont dit, écoutez, vous connaissez des enseignants communistes ou juifs, vous allez nous les donner. Alors il leur dit, ben non, moi je n'ai jamais demandé qui étaient mes collègues. On s'occupait d'enseigner, on ne s'occupait pas. Si. Et là, quand ils ont vu ça, ils l'ont foutu dehors. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché, trouvé un travail, dont secrétaire de mairie d'une petite commune comme celle-là. Et c'est un monsieur qui a fait un travail extraordinaire pour la jeunesse. Il en a protégé, vous savez. Pas de papier, il savait comment faire. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des actions pour la résistance. Par la distribution des tracts clandestins, les affiches, enlever des affiches de Vichy. Je me rappelle, il y avait une affiche, une grande, où il y avait Pétain qui était sous son bureau comme ça, et disait « Peuple de France, debout !» Et nous, on passait derrière et on mettait un bandeau en dessous. Moi, je reste assis. Et ça, c'était dans les années 43. Début 43. Ça a commencé le travail obligatoire. Un dimanche, je me rappelle, un dimanche, il m'appelle. Il me fait appeler par les gars sans peine. Je vais le voir chez lui, à la mairie. Il a dit, tiens, il y a une valise à prendre à l'arrêt des cars de Saint-Fargeau. Il arrive là devant l'arrêt des cars, c'était un café, et puis il demande ce qu'il m'avait dit de dire pour avoir la valise. Il me donne la valise. J'étais en train d'attacher la valise sous mon porte-bagages. Quand un gabardine, chapeau mou, s'arrête, un truc en l'air, là, avec la Francisque, là, j'ai dit, voilà. Il me dit, ouvrez la valise, s'il vous plaît. Et j'ai dit, écoutez, je ne sais pas, comment vous n'avez pas dit non, il n'y a pas de clé. Comment vous n'avez pas de clé? Vous savez, j'avais rien préparé. Et on avait même rien préparé avec. Il a dit, mais comment ça? Ben j'ai dit, écoutez, c'est des gens qui sont venus arriver hier par le car, hier soir, et qu'ils m'ont demandé de venir les raiser pour amener les valises. N'ayant pas confiance, il y avait deux gendarmes plus loin, il les appelle. Il a dit, monsieur, nous allons conduire cet homme au poste. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait 200 mètres au moins pour aller à la gendarmerie. Alors, je connaissais les brigadiers parce que, comme j'habitais dans la commune du canton de Saint-Fargeau, j'allais me contrôler tous les trois mois chez lui. Il me connaissait, tous les étrangers. Mais j'ai appris. Parce que, à partir du moment où on faisait partie de l'armée secrète, on savait, si dans ce lieu de canton, si les maires, les curés, ou le curé, ou les maires, ou les curés, et la troisième personne. Le maire, le brigadier et le curé. Il y en avait un troisième. Maire, brigadier, curé. Et le curé. Voilà.
Pendant qu'on a, ma compagne, j'étais accompagné par le policier, avec les deux gendarmes encadrés, avec mon vélo et la valise. On arrive dans la cour, quand on a fait 100 mètres, j'étais en train de voir comment j'allais pouvoir me sauver. Alors, on a une impasse des choses par la tête, en peu de temps. Et est-ce que je me sauve, est-ce que je fous le vélo en l'air et puis... Et puis, je me suis dit, étant donné que monsieur, que le brigadier fait partie de cette armée secrète, il va peut-être me connaît, puisqu'il me contrôlait. Il va peut-être trouver... c'est comme s'il y avait eu une transmission de pensée. Hein. On arrive devant le perron. Parce qu'il est sorti juste au moment où on arrivait au pied du perron. Même pas laissé entrer. Qu'est-ce qui se passe? Mais alors, pas comment? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, le policier dit, écoutez, là, un monsieur qui prétend, je demande d'ouvrir la valise. C'était pas un policier, c'était un gars du contrôle économique. Voilà. Parce qu'il y avait du marché noir en même temps, à l'époque. Quand il y a de la misère, il y a des trafiquants aussi. Alors, finalement, il dit, mais fâché comme si, vous n'arrivez pas à foutre la paix, il n'y a pas 5 minutes qu'on l'a emmerdé tant qu'on a pu, il est fou mal camp. Et on ira te chercher si on a besoin. Vous savez, je n'ai pas pris la route directe, hein, parce que j'avais peur qu'ils viennent, qu'ils me suivent, et de faire un détour. Vous voyez, il y avait une organisation, mais je crois qu'on était triés. J'ai porté des messages au curé de Saint-Fargeau aussi. Alors, il y avait 3 curés là-dedans, dans l'armée secrète, dont un des 3 était... capitaine de réserve, et c'était le chef. J'avais raison. Alors, sûrement qu'on y avait dit, un jour, vous allez voir un petit espagnol, un républicain espagnol. Il a été gentil. Et il voulait me connaître, quoi. Il m'a dit, ah, tu pensais pas qu'il y avait tant de curés là-dedans. Et vous aviez récupéré des armes aussi, non? Ah oui, oh là là, oui, si vous saviez, les parachutages. Oui. Qui venaient de Londres. Voilà, ouais. Ils étaient formés, d'ailleurs c'est ce commando que je vous parle. Mm. On a été formés par les Canadiens. Parce que j'avais un commandant du réseau qui a voulu, vous savez, il a été... C'est tout ce qui était enrôlé là-dedans, il a voulu les connaître. Pour leur dire, c'est pas la peine de continuer, tu te vois, ou dire, on vous garde. Mais attention, il y a des choses, encore aujourd'hui, que ça partira avec moi. On a beau me dire, sacré, mais alors ce commandant, il m'avait pris en estime parce qu'il était capitaine de l'armée et il est parti volontaire en Espagne, à la guerre d'Espagne. Ouais. Le commandant George, c'est un homme extraordinaire. Tout en étant, comment je dirais, ferme et puis des fois méchant, avait l'air méchant, c'est un homme, j'ai pas connu beaucoup de monde comme lui. Quand il a su mon passé et comment je réagissais, il m'a fait des confiances tout le temps. C'est moi qui gardais le PC. C'est moi qui ai reçu les premiers messages de Londres, direct. J'avais un petit appareil, vous savez, comme une bandoulière, avec des piles qu'on appliquait, onde courte, onde longue. Hein, une petite antenne qu'on attachait après une branche et une pointe pour la prise de terre.
Ben, j'étais au sécoute jusqu'au débarquement. Il y a encore le message qui a été transmis directement à mon unité, mais vous pouviez être à côté, vous ne l'entendiez pas, il n'y a que moi qui entendais. Fallait quand même pas se tromper. Et quand vous receviez les conteneurs, vous en faisiez quoi? Ah ben, c'est ce message, c'est le chef. On transmettait au chef. Et à chaque fois que vous avez eu des parachutages, vous étiez prévenu alors? Ah oui, on était prévenu, je comprends. Il y a des avions qui venaient. Mais alors qu'ils pouvaient voler, les avions pouvaient voler à 5000 mètres. Alors, ils voyaient de loin, ils repéraient. Et un jour, dans les bois, on veut couper du bois, mais on faisait du charbon. Et puis les Allemands trouvaient qu'on n'allait pas assez vite. Alors, ils sont amenés une douzaine de fours en ferraille, démontables, pour aller plus vite. Un jour, avec les copains de bûcherons, on allume ces fours. Un avion se présente qui n'allait pas, il ne venait pas pour nous. Il allait du côté d'Auxerre. Il se présente, il voit. Il voit, il se dit, mais c'est pas là, c'est... Et là-bas, ils l'ont vu dans le bois, parce que les fours étaient éparpillés dans tout le bois. Ils ont vu, ils disent, mais c'est là-bas. Mon Dieu, de charge. Ah ben, empêtrés avec ce matériel, ils n'ont pas mal. Alors, tout de suite, on a couru au responsable. On a passé la nuit à cacher, à faire des terrassements, pas tout. On en a quand été amenés à chez des gens, mais fallait quand même risquer. Il y a des cultivateurs à l'époque qui avaient pris des risques terribles avec des tombereaux qu'ils allaient les cacher dans une autre ferme. Nous, on en a enterré. Et alors, après avoir pioché, pour pas qu'on voit des traces de la terre, on a été chercher des feuilles pour cacher la terre qui avait été remuée. Et après, vous en faisiez quoi de ces armes? Eh bien, on faisait des attaques. Dans la région. On allait faire sauter en train quelque part, il fallait protéger ceux qui allaient poser. La dynamite. Oui, on a été deux fois faire sauter Paris-Lyon-Marseille, là-bas, dans le Tonnerrois. On s'est posé la question. On leur a demandé, mais comment ça se fait? Ah oui, mais il n'y a que nous qui étions reconnus par l'on. Parce qu'on a perdu des à chaque fois, il y avait des manquants hein, au retour. Parce qu'on se battait. La troupe, on l'avait sous le dos pendant 8 jours. Après. Parce qu'un train, vous faites des rails en train. Mais après, la troupe, elle se répand dans la nature. Et on ne peut pas prendre la route parce qu'ils faisaient des barrages. Alors on faisait, nous, pour pouvoir s'éloigner du coin, et bien on faisait pareil. On arrêtait un camion et lui disait, voilà, vous restez avec nous ou foutez le camp, on prend le camion. Voilà. Et à la fin de la guerre, comment ça s'est passé ici comment... La fin de la guerre, ben, on a eu un fort combat, parce qu'on était quand même aguerris. On voulait libérer Auxerre le plus tôt possible. On a libéré Auxerre le jour même de Paris, le 24 août. Alors, on est arrivé, là on appelle ça la montagne des Alouettes, à côté de l'Insec. Et puis le lendemain, on a été prendre Auxerre. On est arrivé des Clamcy. On est arrivé à la fin autour de 200. 200 bonhommes. On aurait continué, on n'aurait pas pu tenir. Hein. Vous n'auriez pas pu arrêter. Les gars, ils en avaient marre. Ils auraient sorti de bois. Hein. Alors, on a été vendus.
À un moment donné, 3 juillet 44, on a été vendu par des gens qui s'étaient embauchés. Ils s'étaient fait embaucher dans le maquis pour... Ouais. Parce qu'ils étaient achetés, ils touchaient des primes de je ne sais pas combien. Et ils sont venus, on était autour de 200. Alors ils sont venus en force, et on ne sait pas, on dit 700, 1000, on ne sait pas. Ils sont venus, les Allemands, d'après les camions, ils sont constatés, ils sont évalués autour de entre 700 bonhommes. Le colonel, qui s'est mis sur la grande table de la pièce où il s'est rentré, il a expliqué au chef, dans 2 heures, il faut que ça soit terminé, dans 2 heures. On était prévenu depuis 15 jours qu'on était vendu. À partir de là, on a pris toutes les dispositions possibles. On avait fait même des petits parapets en cas qu'il fallait résister. Eh bien, ils sont venus et quand ils ont commencé par tirer, ils avaient avec des mortiers. Et les premiers obus, ça nous tombait sur la tête puisque ça cassait les branches, ça nous tombait à fond. On n'a pas eu de problème là. Mais au lieu de continuer, ils ont progressé à l'intérieur parce qu'ils pensaient qu'on allait reculer, foutre le camp ou je ne sais pas. Il attaque. Il y avait des blés, c'était un épi. Est-ce qu'on voyait les rafales qui coupaient le blé? Ils attaquent une fois, deux fois, trois fois. Ils voulaient traverser les terrains. Il y avait un terrain entre les deux bois. Parce qu'on s'était mis en isière, mais il ne fallait pas tirer. Il fallait un ordre pour tirer. Mais on les a laissés arriver à 10 mètres. On ne pouvait pas attendre plus. Ils s'en ont laissé plus de 427 sous le terrain. 52 morts et les autres blessés. Il n'y a pas eu de représailles. Mais ils ont demandé à leur donner des draps pour faire des pansements. Alors, on s'est toujours posé la question, comment ça se fait, quand on a su ce qui s'était passé à Oradour, sur Glane, on a dit, comment ça se fait, avec les morts qu'il y a eu là, qu'il n'y a pas eu de représailles plus que ça. Eh bien, on l'a su par le fermier, après la guerre, parce qu'on lui a posé la question, il a dit, mais mes gars, vous avez eu affaire à un vrai militaire. Et il a cru que vous étiez aussi une armée aéroportée. Voilà ce qu'il a dit. Mais il a dit, mes gars, vous aviez en face des Canadiens, une armée aéroparachutée. C'est parce qu'en même temps, nous, les premiers, vous savez quand ils parachutaient des armes, ils mettaient quelques tenues dedans, qu'on donnait aux plus anciens. Moi j'étais un Canadien dès le début, avec les jumelles comme nous. Ah oui, ils sont venus des Canadiens, des tenues canadiennes. Voilà. Voilà comment c'est. Puis, ma foi, après la vie civile, la vie. Ah, vous avez été quand même 30 ans maire. Ben, avec ma femme, on avait monté une troupe théâtrale où on allait faire des théâtres, enfin des opérettes, jouer l'opérette. J'avais le répertoire de Marcel Merquès et Luis Mariano. Alors, finalement, avec ma femme, on avait monté une troupe. On allait jouer non seulement dans les départements limitrophes, mais on allait jouer, par exemple, dans Lyon. On commençait à Toussy, Auxerre, Villeneuve-sur-Yonne, Sens, les salles des quartiers de Paris. Wow. Surtout l'été, on organisait des kermesses. Et dans ces kermesses, la deuxième partie était jouée par les acteurs locaux. Mais on invitait
Une partie était faite par des professionnels. Tout ça, c'était fait pour attirer du monde et faire de l'argent. On a acheté un bâtiment où on a fait la salle des fêtes de Saint-Sauveur avant qu'il y ait la salle qu'il y a maintenant. Les grands-pères, maintenant, c'est des grands-pères. C'est et quand tu parles de ça, c'est de bon temps. Vous étiez potier aussi? Ah oui. Ah ben oui, ça n'empêchait pas. Vous avez fait des tas de choses dans votre vie. Mais c'est-à-dire que j'ai toujours essayé d'en faire le plus possible. Mais bien fait. Et alors c'est quoi votre chanson préférée de votre répertoire? Parce qu'on pourrait finir sur quelques notes de musique. Vous pourriez nous chanter un petit refrain. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ce fleurette. Quand en passant, le bonheur vous fait signe et s'arrête. Il faut lui prendre la main sans s'attendre à demain. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons ces fleurettes. Car au fond de mon âme, il n'est qu'une femme. C'est toi qui sera toujours mon seul amour. Magnifique. Voilà. Final. À la libération d'Auxerre, Jean. On va juste les prendre. Ça, c'est quoi? C'est quand vous êtes. C'est au début. Ça, quand on a gagné, on a été versé dans l'armée après. D'accord. Les maquis. Après le maquis, vous avez rejoint l'armée. Voilà. Et vous avez continué la guerre? Oui. Jusqu'où? Jusque. J'ai été démobilisé en 1945, au milieu de 1945. Vous avez fait la campagne d'Alsace? Ah ben, non. Ma compagnie, oui. Mais on a été partagé. Moi, j'ai été versé parce qu'il est arrivé une note dans les services comme quoi tout étranger ne pouvait plus rester dans une unité combattante française. Il fallait qu'on gagne la Légion. Et on m'a versé dans la Légion. Ah oui? À partir de quand? Eh bien, c'est-à-dire à partir de 1945. Regardez. Ça, c'est. C'est l'école militaire. Les chants des martyrs. Oui. Ah ben, j'ai fait du décor de théâtre, ah, hein, oui. Attention. Et c'est ça que je travaillais au Beaux-Arts. Ça, c'est on avait une chanson dans notre maquis. Ça, c'est quelqu'un de la famille qui avait reçu de mes parents que j'avais mis. Et là. Les regrets du maquis. Oui, quand on voyait arriver les officiers après la guerre. Avec toutes les étoiles, alors que De Gaulle les avait appelés, et ils ne sont pas venus. Oui. Mais quand on libérait un pays, vous voyez arriver tous les officiers, oui. Voilà, avec toute la batterie de cuisine. Ça, si vous voyez, à la libération d'Auxerre. Vous voyez les tombereaux, regardez les conteneurs.
conteneur au seul matériel. Et puis les vieux les tombereaux, là, les paysans en train de charger. Qui chargeaient les conteneurs. Pendant ce temps-là, tous les alentours étaient gardés par nous. En cas que les Allemands arrivent. On protégeait tout le travail, tout le ramassage du matériel. Et là, vous êtes avec qui? Avec un compagnon que j'ai fait toute la guerre avec. Ouais. Voilà, on est tous les dents canadiens là. C'est comme ça que les Allemands nous avaient vus. Alors, vous savez, quand l'ennemi était en face, on tournait la casquette pour pas qu'on voit les galons. Ah. Moi, c'est ce que je faisais. Parce que, vous savez, dans une patrouille, c'est le chef qu'on vise. Hein. Ah oui, oui. 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 Autoportrait. Attends. Autoportrait du chef de groupe. Alors. Oui, partisans, c'est le chant des partisans. Amis, entends-tu les corbeaux sous les plaines? Amis, entends-tu le oiseau du pays qu'on enchaîne? Et partisans, brillez, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra les prix du sang et des larmes. Montez de la mine, demandez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et le tueur à la barre, le couteau, tu es vite. Oh, et ça va, attention, ton fardeau, dynamite. Et nous qui brissons les barreaux des prisons de nos frères. La 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 la. La 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 la. Vous êtes installé ici. Alors, sortant de là, la première des choses que j'ai fait, c'est me renseigner, savoir s'il y avait une famille espagnole, parce que je ne connaissais personne dans le pays. J'ai dit, oui, il y a une famille, voilà, il y a une dame
qui est couturière à côté de la mairie, qui apprend à coudre, à faire des costumes sur mesure, tout ça. Enfin. Et je demande à ces... Bon, il m'en présente même les jeunes filles qui travaillaient avec elle. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de culturel à Saint-Sauveur? Et alors, ils me disent, ah ben, il y a une association de jeunes filles qui font du théâtre. Et les bénéfices qu'ils font de ce théâtre, les versent pour confectionner des colis à Noël qu'on envoie aux prisonniers qui sont en Allemagne. Alors, dans ces filles-là, et puis il y a une autre association, qui s'appelle Jeune fille patriote, où ma femme était la présidente. J'ai encore son drapeau. J'ai encore le drapeau de cette association dans le grenier, que j'ai conservé comme une relique. Et alors, c'est là que pour, sans penser qu'un jour on allait se marier. Alors je dis, voilà, si vous avez besoin d'un acteur, je chante, je danse, je fais de la musique, enfin, voilà, je fais du décor de théâtre même. Qu'est-ce que j'ai dit là? Si vous aviez vu. Alors, il m'a aussitôt sorti de là, il m'a préparé une salle, il a dit, voilà. Il dit, quand vous voudrez, vous venez faire du décor là. Alors, il dit, qu'est-ce que vous avez besoin? Alors, j'ai dit, de la poudre. Et de la colle à papier, parce que la peinture à l'huile pendant la guerre. Avec du papier peint, ou des papiers costauds, eh bien, j'ai fait des décors, des théâtres, rien qu'avec la colle à papier. Mais alors, c'est là que... Je sais que chaque fois qu'on changeait des tableaux, la scène, rien que pour montrer le tableau qu'ils avaient fait, ben, que j'en avais fait plusieurs. Voilà comment que je me suis intégré, si vous voulez, à Saint-Sauveur et dans le secteur. Je suis devenu un petit peu populaire. Dans ce monde que j'apportais dans un nouveau... Un nouveau souffle. Ben voilà. Alors, vous savez, je m'occupais des jeunes à l'époque. Ma femme s'occupait des jeunes. Je suis allé l'aider. Et puis, j'ai plutôt continué à m'occuper des jeunes, football et toutes ces espèces de basket, en fait. J'étais même longtemps entraîneur de ce club. C'est comme ça qu'un jour on est venu me chercher la mairie, aussi bien Saint-Sauveur que même, pour que je me présente comme conseiller municipal. Et ça, c'était à quelle époque? Eh bien, c'est tout de suite après la libération. Oui, parce que... jusqu'à la libération, il n'y avait rien de... il y avait des choses que c'était déjà amorcé, qui commençaient à penser à l'avenir. Et puis alors, c'est comme ça qu'un jour, m'occupant des sports, Un retraité de Paris, du chemin de fer. Et un jour, comme on était du... Il voulait faire une liste. Il a dit, mais on n'arrive pas à trouver le nombre. Alors, il faudrait que tu nous rentres dans la liste. Ah ben, j'ai dit, tu me fais suer, j'ai déjà trop de choses. Non, j'ai refusé plusieurs fois. Puis,
au moment où les élections approchaient, il est venu me pleurer, il a dit, écoute. Et j'ai dit, écoute, pour avoir la paix, je lui ai dit, écoute, tu mets le dernier dans la liste. Mais les résultats de sélection, j'étais le premier. Et vous étiez déjà potier? Bon, alors, le potier, c'est quand je suis arrivé ici, je venais de temps en temps, je venais de Paris pour faire des stages de poterie parce que j'avais des ennuis souvent d'un travail obligatoire des Allemands. Ça, c'est pendant la guerre. Alors. Pendant la guerre. Et ma femme avait dit, mon père prend des extras parfois. Mais j'ai dit, quand il aura, il n'y a qu'à m'appeler. Ça fait que je venais déjà, avant qu'on se marie, faire de la poterie. Donc, pendant la guerre, vous étiez aussi à Paris? J'ai été un an et demi. J'avais commencé à. J'avais fait deux ans et demi aux Beaux-Arts à Barcelone. Je préparais l'entrée aux Beaux-Arts. Mais à ma démobilisation, j'ai voulu continuer par des connaissances, des influences d'amis. Ils sont allés trouver le recteur qui m'a. Avant, je ne pouvais pas passer un concours. Mais il était autorisé comme auditeur. À l'école. À Paris. À Paris. D'accord. Pendant un an et demi, j'ai fait comme éditeur à Paris. Et vous vous souvenez en quelle année c'était? Ça, c'est 45, 44, 45. Donc Paris était libéré déjà, 44. Oui. Et je reviens et bien, à la poterie. C'est ainsi que, avec mon beau-père, on continue, on sort une vieille tradition de la poterie. Ici, c'est la Puisaye est très réputée comme pays potier parce qu'il y a des argiles qui servaient à faire une poterie traditionnelle. Le congélateur de l'époque était la poterie. On se lance dans la poterie émaillée. La céramique, voilà, avec diverses couleurs. C'est une chose nouvelle qui arrive avec des couleurs de toutes sortes, des terres émaillées, et ça a été un succès fou. On a voulu quand même penser à l'avenir, l'histoire de Solargile. Solargile, on avait commencé, nous, à préparer des argiles parce qu'on savait que... Eh bien, il faut beaucoup de matériel. Il faut tout un certain capital avant de pouvoir monter l'atelier. Alors, on avait dit, tiens, puisqu'on nous demandait souvent, les potiers, de leur préparer de la terre aussi. Quand on en préparait pour nous, on nous demandait de l'en préparer pour eux aussi. Donc, ils ont commencé là, avec les argiles. Mais ils ont une usine encore aujourd'hui, à 15 km d'ici, où ils fabriquent ces poteries-là. Voilà. Et on continue une vieille tradition, quand il y a encore plusieurs régions de France qui demandent encore des pots à conserve, surtout pour les foie gras, pour les olives, pour les vinaigres, les vinaigreries. Enfin, vous voyez, c'était une tradition qui ne meurt pas encore, ça. En fait, il y a toujours eu dans votre activité une activité qui était toujours tournée vers les autres vers le groupe, quoi, le groupe collectif. Voilà. Alors, à côté de ça, avec la mairie, c'est la même chose. Quand je vois le patrimoine, la richesse du patrimoine de la commune seulement, j'ai commencé à fonder une seule association archéologique de manière à répertorier tout le patrimoine de la Puisaye,
tout ce qui pouvait être sauvé pour pouvoir sauver, c'est-à-dire être fort de manière à être entendu en adhérant à des grandes associations internationales pour avoir des crédits et lancer des opérations de sauvegarde du patrimoine. C'est arrivé à Moutier que je lance la sauvegarde de l'église de Moutier, qui est tombée en ruine. Vous savez, le conseil municipal de Moutier m'a refusé parce qu'il disait il va nous acculer, il va nous ruiner. Il fallait que la commune revienne à la part communale à donner pour lancer l'opération. Mais la mairie me refuse. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends ma charge. À l'intérieur de l'église, il y avait des peintures murales. C'est un fleuron, un des plus beaux fleurons de la peinture bourguignonne. Il est connu dans le monde entier. Maintenant, est-ce que c'est un Chinois qui a fini les dernières peintures qui ont été faites? Il a travaillé pendant 15 ans. Là-dedans. Vous aviez été jusqu'au ministère de la Culture, non? Mais plusieurs fois. J'ai été à Paris. 10 communes de France ont été convoquées comme exemple en France. Comme exemple. Je suis revenu avec 400 ou 500 000 francs. La Fondation France m'a fait un don, un chèque. Je vais vous poser une question. Combien de temps vous avez été maire? Comment? Combien de temps vous avez 30, été à la mairie? 36 ans. C'est-à-dire 30 ans maire, 6 années conseiller. Et est-ce que vous représentez un parti politique? Non, j'ai jamais représenté. J'ai toujours resté indépendant. Je me suis dit, partant d'Espagne, tout ce que j'ai vécu en Espagne, je n'ai jamais voulu adhérer à un parti. Parce qu'un parti, à partir du moment où vous adhérez à un parti, vous êtes obligé de suivre la ligne. Là, moi, je pouvais les engueuler. Et quand on ne m'entendait pas, je les mettais sur la presse. Le secret de rester longtemps à la mairie, c'est peut-être ça, être indépendant. Peut-être aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ai obtenues, des aides, parce qu'ils voulaient participer. Quand je plaidais la chose, les gens disaient, mais cet homme-là, il faut qu'on l'aide. Vous avez aussi sauvé, vous avez dit, le chemin sur lequel vous êtes assis, là, qui est le chemin de fer. J'ai eu la Légion d'honneur. Il n'y a pas plus une distinction plus grande que celle-là. Mais ça aussi, c'est parce qu'il n'y avait pas seulement une histoire militaire, mais il y avait une histoire civile aussi. Parce que, vous voyez, quand... ici, on reçoit encore aujourd'hui des écoles. À l'époque, mon beau-père déjà recevait des écoles. Et j'ai continué à les recevoir gratuitement pour leur montrer comment transformer une matière. Et l'inspection académique avait trouvé ça extraordinaire. Ils m'ont donné les palmes académiques. Je suis officier, ça encourage, en disant, moi, il y en a qui m'entendent. Et ça, c'est ça qui m'a fait peut-être vivre plus vieux. Et on est fort, c'est ça qui me fait vivre vieux. Est-ce que je peux vous demander votre âge? 96 ans. Vous aviez fait venir des potiers du monde entier? On appelait ça Festipo. Festipo, c'est-à-dire que chaque année, on fait au mois de juin, on faisait venir des potiers, c'est-à-dire par des relations. On entendait des relations à l'ambassade. Alors on convoquait en même temps dans cette fête des potiers de France. Et c'est ainsi qu'ils travaillaient pendant 2 ou 3 jours avant la fête.
Ils travaillaient ensemble et tout ce qu'ils produisaient, on le cuisait le dernier jour. L'ambassadeur de la nation qu'on recevait venait le jour de la fête. Tous les ambassadeurs de la Chine, de l'Inde. C'est... Mexique, vous m'avez dit du Mexique aussi. Mexique, il y en a peut-être 20 pays qui sont venus. Beaucoup d'Afrique, parce qu'on trouvait plus facilement. Travailler la terre avec les mains, quoi. Voilà. Oui. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce que vous avez vécu dans votre jeunesse et les événements espagnols auxquels vous avez participé ont été une formation pour vous, pour le restant de votre vie? Ah oui, alors, mais c'est-à-dire que j'ai toujours pensé, vous savez, à l'éducation que j'ai eue de mes parents, et puis à ce que j'avais vécu. Durant la petite période que j'ai vécue du franquiste, alors là, que je n'ai jamais pardonné. Je n'ai jamais pardonné quand j'ai vu comment on battait les gens sur la place, publiquement. Pour moi, ça m'a servi, que ça fallait. Il y avait un autre chemin à avoir qu'on nous présentait souvent. Et puis, vous savez, souvent, vous savez, on me pose la question, il dit vous avez souffert, oui. Et puis si j'étais à refaire, je recommencerais. On ne peut pas, on doit réagir. Rien n'est impossible. Ma vie, si c'est encore là, le bonheur Dieu occulta, mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfer-se, mai no podrem caminar. Si es girem tots allà caurà i molt de temps no pot durar. Ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret, i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar el darrer cant d'en Sisè, el darrer que em va ensenyar.